Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi et aujourd'hui on va parler de la formation dans la capoeira. Oui, je sais, le titre ne correspond pas du tout, mais tu vas voir pourquoi j'ai fait ça. Il y a une semaine, le Mesh Ferradou a publié une vidéo qui s'appelle comme ça, Capoeira 100 mètres, la capoeira 100 mètres. Du coup, j'ai voulu faire exactement la même chose parce que les gens qui ont vu cette vidéo n'ont pas du tout compris le sens de la vidéo. Pour te résumer très rapidement la vidéo, pour que tu comprennes un petit peu le sujet d'aujourd'hui, il raconte au début que tous les grands capoeiristes n'ont pas forcément été maîtres. Il cite par exemple Bizouro, il cite Manduka da Praia, qui n'avait pas ce titre de maître. Ensuite, il enchaîne sur le fait que dans l'histoire de la capoeira, il y a eu différentes tentatives de création de méthodologie, de pédagogie, de façon de transmettre, de passer de l'information sans la présence, comme il dit online. Ensuite, il remonte sur la première tentative qui a été faite en 1907. Tu te doutes bien, c'était pas avec internet, mais c'était avec un livre qui s'appelait Le Guide du Capoeiriste ou Gymnastique Brésilienne. Et ensuite, il cite quelques ouvrages qui, au cours du 20e siècle, ont voulu justement créer des pédagogies, créer une méthodologie pour pouvoir transmettre les fondements des bases de capoeira. Je vais pas te raconter toute la vidéo, je te mets les liens en description, comme ça tu iras regarder par toi-même. Et à la fin de cette vidéo, il propose une formation en ligne que lui vient de créer. C'est un cours de formation de professeur. C'est un cours de formation de professeur en ligne avec une spécialisation capoeira infantile avec la méthodologie Brincadeira de Angola, comme il l'a appelé. Et là, c'est le drame. Et c'est là que beaucoup de personnes pas très attentives, on va dire, ont fait le raccourci entre le titre Capoeira 100 mètres et le fait qu'ils proposaient une formation. Ils ont donc tout de suite pensé qu'ils voulaient former des professeurs en ligne et enlever la place du maître dans la capoeira. Et là, du coup, ils ont commencé à se déchaîner, à envoyer des commentaires, mais dans tous les sens, mais des trucs dévastateurs, alors qu'ils ont tout simplement pas regardé la vidéo. Je pense qu'ils l'ont pas regardé, parce que c'est pas possible. Quand tu regardes la vidéo, tu vas voir par toi-même, quand tu regardes la vidéo, à aucun moment, ils parlent de former des professeurs de capoeira, et encore moins d'enlever le rapport avec le maître. Mais ça, on en parle un petit peu après dans la vidéo. Bien sûr, et heureusement qu'il y en a quand même beaucoup qui l'ont félicité pour son travail. Je fais cet audio sur ce sujet parce que ça vient résonner en moi sur plusieurs niveaux. Et pas du fait de la capoeira 100 mètres. Je suis persuadé depuis longtemps que ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient d'entreprendre, c'est le futur dans la capoeira. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'ai ça en tête. De partager des clés, de partager de l'information, de partager des façons de faire, des stratégies, de manière organisée. En d'autres termes, des formations. Je suis vraiment animé par le fait de transmettre, d'apporter de la valeur. Et c'est ça qui me nourrit dans mon rôle de professeur de capoeira. C'est que je sais que j'ai les capacités d'aller impacter la vie de mes élèves. Que ce soit dans la capoeira ou pour ceux qui veulent hors capoeira. Mais du coup, c'est le fait de mettre à disposition des clés, des stratégies, de l'information dont l'élève va pouvoir se servir pour lui-même progresser, évoluer. Et c'est cet échange-là, cette relation-là qui me motive pleinement dans mon rôle. Et c'est ça qui me motive également à faire les audios du mardi, à faire tout un tas de contenu que je propose au plus grand nombre. J'avais commencé un petit peu à faire ça avec la série Les Capsules du Vendredi, si tu te souviens, où je te partageais des clés pour pouvoir développer ton travail de capoeira. Et du coup, ce que je te disais, ça venait pas de nulle part. En fait, quand j'ai commencé la capoeira, on était un petit groupe d'élèves, mais on n'avait pas de prof. Du coup, à un moment donné, j'ai voulu qu'on passe au niveau supérieur. Je me suis donc rapproché d'un maître qui était à l'autre bout de la France. J'ai créé une association, j'ai trouvé des salles, j'ai trouvé des contrats, j'ai trouvé un hébergement et j'ai fait venir un prof avec l'aide de ce maître-là. Du coup, c'est ce qui s'est passé, on est passé au niveau supérieur. Et encore aujourd'hui, cette association, elle existe encore. Puis, il y a 5 ans, je me suis lancé un nouveau défi, c'était de recommencer cette aventure-là. J'ai donc choisi la ville d'Albi, une ville où je connaissais personne. Je suis arrivé ici, sans rien, sans un sou, avec la seule envie de développer la capoeira ici. Et aujourd'hui, on a dépassé la barre des 100 élèves, on travaille avec une 20aine d'écoles, on est présent sur 3 villes. Bref, il y a quand même des résultats qui sont ici. Et ce que je vais te dire, ça va peut-être te paraître un peu prétentieux, mais je sais que je suis capable de le recommencer encore dans une autre ville. Tout simplement parce que c'est pas de la chance. J'utilise des stratégies, j'utilise des façons de faire, une organisation qui me permet d'obtenir ces résultats-là. Comme tu le sais, je lis beaucoup, j'étudie beaucoup, je me forme énormément dans d'autres domaines que celui de la capoeira pure, et dans chacun d'entre eux, ce système de formation, de vendre de l'information, il est présent partout.
En fait, il est dans la capoeira depuis longtemps, comme l'explique Mesh Ferhadoul. Les livres sont tout simplement une source d'information, une source de connaissances, de compétences, d'expertise. Mais c'est le moyen, le médium qui change, qui devient numérique. Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que pour les gens, ce qui est numérique, c'est pas palpable et donc ça n'a pas de valeur. C'est pas que ça a pas de valeur, c'est qu'ils y accordent moins de valeur. En plus, il y a encore le truc, formation sur internet égale arnaque. Formation sur internet, pour la plupart, c'est égal à une arnaque. Or, c'est ni plus ni moins que de l'information organisée, tout comme dans un livre, mais sous un format différent. Une vidéo, un audio, mais c'est exactement la même chose sur le fond. Le livre, c'est facile pour nous parce qu'on a appris ça à l'école. On a appris que la connaissance était dans un livre. Mais personne nous a appris qu'on pouvait apprendre aussi bien en regardant une vidéo. Et si tu regardes un petit peu ce qui se passe sur YouTube, tu vas voir qu'il y a énormément de contenu informatif à forte valeur ajoutée qui existe un peu partout dans différents domaines. Donc s'il te plaît, pour toi, ne passe pas à côté de ça. Ne passe surtout pas à côté de ça. Ne crois pas parce que c'est qu'une vidéo que tu vas pas pouvoir apprendre, que ça va pas pouvoir impacter concrètement et pleinement ta vision et ta façon de faire. Parce qu'honnêtement, il y a des vidéos, il y a des formations, il y a de l'information, c'est juste des véritables trésors. Tu vas y trouver des espèces de pépites. Si tu te coupes de ça, c'est toi qui vas y perdre. Allez, on commence à se connaître un petit peu, toi et moi. Je vais partager quelque chose avec toi. Ma vie a radicalement changé quand j'ai commencé à donner de l'importance aux informations, à la connaissance qu'il y avait dans les livres, dans les vidéos que je regardais. Et c'est quand je me suis rendu compte de ça, quand j'ai eu cette espèce de petit déclic, que j'ai commencé à investir à fond dedans. Pas investir à fond dans un livre, mais investir à fond dans moi. Car c'est un fantasme de croire que les choses vont changer par l'externe. Ça va changer par l'interne. Donc si je ne me nourris pas ici, ben mes prises de décision, ce qui va sortir de ma bouche, c'est pas ce qui va me permettre d'avancer dans la direction que j'ai choisie. Donc mon mindset, mon état d'esprit a radicalement changé. Je suis passé d'une situation où j'avais 6 mois de loyer de retard à une situation où j'ai 1 an de loyer d'avance. Je suis passé d'une situation où j'étais déprimé, célibataire dans un 14 mètres carrés à homme marié, heureux dans un 100 mètres carrés. Et tout ça en quelques petites années. Ça n'a rien à voir avec de la chance, c'est juste que j'ai appris à me nourrir différemment. J'ai appris à donner de l'importance à l'information qui était disponible. Mais tu peux obtenir de nouveaux résultats à partir du moment où tu prends les choses au sérieux et à partir du moment où tu t'engages. L'engagement, tu le trouves par exemple financièrement. Plus tu payes, plus tu vas prendre les choses au sérieux. Ou avec de la rareté, moins il y a de place, plus tu vas vouloir t'y investir pour faire partie des gens qui y auront accès. Mais aujourd'hui, la plupart des capoeiristes ne sont pas conscients de ça. Ils sont pas habitués. Donc quand tu ramènes ça, comme Ferhadoul il a fait, ça va créer des incompréhensions qui vont faire qu'on arrive à obtenir les commentaires qu'il y a eu sur cette vidéo qu'il a fait Ferhadoul. Alors que quand ils pensent, ceux qui connaissent Mesh Ferhadoul, allez regarder sa chaîne YouTube. Il a un travail avec les enfants qui est juste hallucinant. Le mec, il a des compétences de malade, une expertise de dingue, une façon de faire qui est incroyable. Et il met toute son expérience à disposition de manière organisée, systématisée, gratuitement. Et les gens, ils sont pas contents. Mais qu'est-ce que tu cherches d'autre, quoi? Mais qu'est-ce que tu cherches d'autre? Le mec, il te propose tout son savoir de manière organisée, gratuite, et toi t'es pas content. Toi t'es pas content. Moi quand j'étais petit, ça on appelait ça cracher dans la soupe. Donc là les mecs ils se sont juste arrêtés sur le titre qu'a utilisé Ferhadoul, Capoeira Semestre, sans réellement prêter attention au contenu, au fond, et du coup ils ont commencé amalgame, raccourci. Je sais comment ça marche, il y en a beaucoup qui font ça avec mes vidéos aussi. Mesh Ferhadoul, cette vidéo, c'est tout simplement ce qu'on appelle dans le web marketing une vidéo de vente. Et en plus, elle est plutôt pas mal faite. Il a mis un titre accrocheur pour que les gens puissent cliquer dessus. Il présente bien le contexte. Il met tout en relief. Il présente son produit, sa formation. Il t'explique les avantages et il appelle à l'action en disant de s'inscrire. Le truc est propre. Et là, il offre un max de valeur ajoutée à la personne qui va s'inscrire parce que c'est tout bénef pour lui parce que c'est gratuit. Et pour Ferhadoul,
ben ça va augmenter sa visibilité, sa crédibilité, ni plus ni moins. Si tu es prof et qu'un de tes élèves veut faire cette formation-là, ne t'inquiète pas, il propose pas de former des professeurs. Il propose juste de se spécialiser. Et il le dit, je vais traduire ce qu'il dit, et il dit exactement ça. Que c'est une formation spécifique en complément de ce que tu reçois dans ton groupe, que tu reçois auprès de ton maître ou de tes recherches personnelles. Il veut pas remplacer ton maître, il veut pas former des professeurs, il veut donner accès à une méthodologie en proposant aux gens, aux professeurs, de se spécialiser dans cette méthodologie-là, ni plus ni moins. Je t'ai dit que ce sujet résonnait en moi car ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. J'ai même réactivé ce projet-là en reparlant il y a pas très longtemps. En fait, ça fait 4 ans qu'il est dans les tiroirs. Mais j'ai pas encore osé le faire, le mettre réellement en pratique. En fait, j'ai grave peur de me lancer. Et en plus, j'y rajoute une croyance limitante comme quoi la majorité des capoeiristes ne sont pas prêts à investir en eux. Car c'est de ça qu'on parle, d'investissement. On peut rien bâtir à long terme si on n'a pas une dynamique de progression, d'apprentissage constant. Encore plus dans la capoeira où on sait que si on s'arrête, on est mort. La progression, l'investissement en soi, dans des compétences, des connaissances, de l'expertise, c'est un des biais qui va faire que la capoeira va pouvoir passer à un autre niveau encore. Alors je vais faire un test avec vous. Avec toi, car toi, tu fais pas partie de ces capoeiristes là. Car la preuve, si tu es en train de regarder cet audio là, c'est que tu es en train de chercher de l'information, tu es en train d'y chercher quelque chose. À moins que tu aies juste cliqué sur la vidéo parce qu'il y avait un titre putaclic. Tu investis de ton temps en regardant les audios du mardi, tu investis de ton temps en participant au live. C'est bien que tu cherches quelque chose, tu cherches une information, des astuces, une autre vision, te mettre en relation avec d'autres capoeiristes. Bref, tu n'as pas peur de t'impliquer, de te prioriser, toi. Et ton amour pour la capoeira. Alors je te le demande, pour désacraliser un petit peu les formations en ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais t'en préparer une gratuitement sur un sujet que tu auras choisi. Ce que tu vas faire, c'est que dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'insiste là-dessus, dans les commentaires de la vidéo YouTube, tu vas me laisser des choix de formation, des sujets qui t'intéressent sur la capoeira. Ça peut être techniquement, ça peut être tout ce qui travaille sur la professionnalisation de la capoeira, tout ce qui travaille sur l'histoire de la capoeira, peu importe. Vraiment champ libre, tu me mets des sujets dans les commentaires et ce qui revient le plus, je te préparerai une formation gratuite là-dessus. Comme ça, tu vas voir un petit peu comment ça se passe, comment se passe une formation. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Dans les commentaires, tu me laisses le sujet de la formation. D'ici là, on se retrouve mardi prochain pour le live. Le live de la semaine dernière était exceptionnel. J'ai juste kiffé les loups, c'était top. J'espère que le prochain live va être encore mieux. Ça sera le mardi 28 mars à 23h sur la page Facebook Furupa Capoeira. D'ici là, pense à t'abonner si t'es pas encore abonné. Lâche un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te souhaite le meilleur. On se voit mardi prochain. Ciao !